Salut, c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Return to Castle Wolfenstein, opération résurrection. Alors, on est entré dans le tombeau et on est maintenant parti à la recherche de Helga von Bülow. On doit essayer de lui tomber dessus et d'éliminer sa garde rapprochée. Et éventuellement, on peut ensuite prendre un avion pour lui, je pense, lui courir après parce qu'elle va sûrement réussir à s'échapper, hein. Si on nous demande, enfin, nous propose cet objectif, c'est que, évidemment, elle va pas rester sur place. Donc, dans l'épisode précédent, on a rencontré nos premiers adversaires morts-vivants, hein, c'était des momies, je crois. Il y a eu peut-être un ou deux zombies quand même. Donc on a affronté aussi les nazis qui étaient pas plus a priori pas plus contents que nous de se trouver dans le tombeau. Donc on continue l'exploration et on va essayer de tomber sur von Bülow. Alors je vais essayer de jouer correctement. Parce que le souci, hein, c'est que je suis levé depuis 4h30 ce matin. Il est 21h30 pour moi où je tourne cet épisode. Donc je commence à avoir un petit coup de fatigue quand même. Mais je vais essayer de vous proposer quelque chose de... Voilà, hop là. Ça c'est réglé. Je me rappelais qu'il y avait ce piège ici. On va essayer de le redéclencher et de passer par-dessus. Ce qui évitera de se refaire avoir. Ou alors c'est lui qui l'a déclenché peut-être. Oh. Ah zut, c'était lui. Quel nul. Bon, ça commence fort, hein. Ça va, on était au début du jeu, c'est pas très grave. Allez, c'est reparti. Donc, on va attendre le pépère, qui normalement va se tuer tout seul. Voilà, on en profite pour passer. Voilà, c'est réglé. Allez. Alors, la garde rapprochée de von Bülow, là, c'est pas des marrantes. Je vous dis tout de suite, elles vont être coton à... Elle va être coton à... À désinguer, elles sont costauds. Elles sont beaucoup plus costauds que les soldats allemands classiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ça sent le piège ou pas? Bon, on va aller voir. Non, rien de spécial. Ok, alors... Ici, à part des zombies, il y a autre chose ou pas? Ici, un petit mot à lire, on va voir ce que c'est. Alors, équipe archéologique d'Afrique de Werner Schmidt. Avant d'expédier en Allemagne les artefacts trouvés, assurez-vous que de les étiqueter de manière à ce qu'ils ne puissent être facilement identifiés. En effet, une caisse n'a pu être identifiée par manque d'éléments. Merci, professeur Werner Schmidt. J'espère que c'était rien d'important, hein, parce que ça peut vite foutre le bazar, hein, leur truc là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! Voilà, on se refait comme ça. On a un passage ici qui est fermé. Donc il va falloir trouver l'issue pour y arriver. On va... Bon, écoute, on va aller par là. On va bien voir. Je regarde régulièrement aussi. Ah, on doit avoir du monde par là, j'imagine. Voilà. Allez, recharge. Ah, ça fait penser, j'ai toujours pas commandé ma manette. Oh, tiens. Ça sent le passage secret, ça. Voilà. Ah, c'est cool, on a trouvé un trésor. Merci. Hop, on continue. Là, non, rien de spécial par ici. Ok, donc, du coup, il va falloir continuer, je pense, par ce côté-là. Ok. On va se méfier. Par là, ça donne quoi? Non, rien de spécial. Ok, allez, on avance ici. On continue. Je crois qu'on les a perdus. Ah, tant mieux. Écoutez, zut, on va faire ça. Je crois qu'on s'est perdu aussi. Qu'est-ce que c'était? C'était ça. Hop, et ça. Hop, voilà. J'espère que on a au moins fait un sur deux. Non, même pas. Oh là là. Oh là, franchement, c'est nul, là. J'ai échoué comme un manche. Ah non, en plus, il est temps de remonter. Mais... Oh non, mon dieu. Mais qu'est-ce que j'ai été nul sur ce coup-là, dis donc. Bon, ok, alors. Là, ok. Ici. On peut péter. Ah, on peut faire quelque chose. Une zone secrète qui s'ouvre. Ouf. Ah, d'accord, ici. Super. Bon, bah écoutez, on va aller descendre, aller voir. Allez.
en espérant que ça va pas réveiller. Ouf, faut pas rêver. Je veux dire, ça n'a pas réveillé. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Ici. Non, rien de spécial. Ok. Oh, une petite trousse, ça c'est pas du luxe. Ensuite, là on va récupérer les munes, je pense. Non, c'est une... Ah non, c'est une pioche. On va aller par là. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop là. Très bien. Bon, là ça va pour l'instant. D'accord, elle est ici. Allez, hop, recharge. Et ça nous mène là. D'accord, ok, bon. Rien de particulier pour l'instant. Ici. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a par ici? Non, c'est de là que je viens, moi. Ouais, je suis bête. Alors, ok. Donc, on va pas prendre, on va prendre à droite. Qu'est-ce qu'on aurait par ici? On entend des trucs, on verra bien, hein. Est-ce que j'ai ouvert quelque chose éventuellement? Ah non, j'ai fermé ce mur. Ok. Alors, on va le rouvrir. Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait un passage quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour après. Non, on peut rien faire. D'accord. Oh, vous entendez? On a encore de la bestiole qui se pointe. Bon, d'accord. Donc là, ça va nous, je suppose, nous permettre de passer ici. Donc on va devoir remonter. Il y a quelqu'un? Non? Bon. Ah, attendez, j'avais pas vu ça, la manette. Je l'avais utilisée? Non, je crois pas. Hein. Oula! Oula, 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 j'ai fait le con. Non? Ah, d'accord, c'est ouvert là-haut. Bon. D'accord, bah écoutez, on remonte. Allez, on va bien voir où est-ce que ça nous mène tout ça. Donc il y a cette partie qui vient de s'ouvrir. Ah bah donc ça doit être le passage qu'on vient d'ouvrir aussi avec le qu'on a fait se soulever là. Hop là. Alors, j'ai entendu quelque chose. L'autre, je suis en train de tirer un tour de bras dans juste à ses pieds. Voilà! Ah, quand même! Disons, il était loin de mourir celui-là. Hein. D'habitude, c'est une balle suffit avec cette arme-là. Alors, oui, voilà, c'est ça. Là, on passe sur le passage qu'on a ouvert tout à l'heure. Ok. Hop, on récupère son MP40. On avance. Sortons de là! C'est un asile de fou ici! C'est un asile de fou! Mais non, c'est rien! Y'a personne! Ok. Oh tiens! Encore une zone! Mais c'est marrant, je sens pas trop la zone. Bah alors? Ah bah si, j'ai pu rentrer, et ici? Non, il se passe rien là? D'accord. Formidable, dis donc, ça y va les trésors aujourd'hui! Alors pour l'instant, que dalle. Amor, américain. Allez, viens. Je pense qu'il va se pointer ici, non? Voilà. T'as bien fait de venir. T'as gagné ta journée, toi. Ok. Hop là. On continue. Ouh. Allez, montre-toi. J'ai loupé? Ah, il me semblerait que oui. Hein. Décidément! En fut un temps, elle était bonne mon arme. Hein. Ou alors j'ai un problème. De... Il va falloir que je fasse quelques réglages là, sur mon arme. Là, parce que. Dis donc. Quand on voit comment je me galère là, ça serait bien derrière nous ça, non? Non, il n'y a rien qui arrive, d'accord. J'ai bien cru que c'était pour nous là. Bon, ok. À mon avis, on va en voir quelques-uns encore. Hein. C'est pas, on en a pas fini avec eux.
Lui, il est mort. Ah bah ben, le Malbowser il est nul, hein. C'est pas la peine de me refiler à chaque fois. Il faut d'ailleurs que je vois ça, le... que je fasse ces... Ah, ah c'était quoi les hiéroglyphes? Bon écoutez, ah oh là là, faut y retourner. Bon écoutez, on va y retourner vite fait. Paf, 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 paf. Écoutez, je ferai une ellipse, hein, c'est pas grave, je reprends juste après. Alors, chien, pharaon, chacal, aigle. Ok, alors, donc, il faut appuyer sur celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Logiquement, tout se passe bien, on ne meurt pas, et en plus, on trouve un trésor. Waouh, excellent. Alors là, en plus, du gros trésor. Hein. Très bien, bah écoutez, je crois bien que c'est la première fois que je fais cette énigme. Donc, comme je vous le disais déjà dans le précédent épisode, je découvre encore des choses, quoi. Mais, ah bah c'est du FPS, hein. Bon, donc logiquement, les FPS, on les fait à l'arrache, quoi. Oh bah, oh dis donc, le bug, remarque, dans un sens, c'est tant mieux. À moins qu'il me le renvoie par ici, mais autrement, je sais pas où est-ce qu'ils ont pu l'envoyer. Excellent. Là, pas besoin, parfait, je suis à bloc. Très bien. Ok, alors, ensuite. Bon, ah bah, encore un autre levier actionné. Oh, j'arrive pas à l'avoir. Ah, d'accord, je vois ce que ça ouvre. Ah bah la main la momie. Celle qui était tombée tout à l'heure. Excellent. Ok, alors lui il commence à m'énerver, c'est celui qui est trop loin, que j'arrive pas à voir. Où est-ce qu'il est le pépère? Bah écoute, on va descendre le chercher. J'ai peur d'un peu d'être un peu haut quand même pour sauter. On va aller par là. Ah je me suis pas fait toucher, d'accord. Ou tout au moins j'ai pas perdu de vue. De vie, perdu de vue, c'est autre chose. C'est une vieille émission des années 80, je pense. Oui, 80, facile. Alors, t'es parti. Bon, bah parfait, écoutez. On va pas lui courir après. Par contre, on continue par ici, si je dis pas de bêtises. Oh. Attends, il est où, pépère? Ah non, c'est ici que ça tire. Ah, c'est là-haut. On va essayer de se démerder d'abord. Qui tue qui? Voilà, comme ça on se débarrasse des deux avec un seul tir. Ça on peut le laisser ouvert, je pense pas qu'il y ait besoin de le refermer. Ensuite, de quel côté on va? Hop là, la personne. On va se méfier quand même. Hein. Parce que là ça sent le. Ça sent le piège à. Oh oui. Attendez. Alors, on va envoyer une petite grenade peut-être, histoire de calmer tout ça. Est-ce que ça calme les choses ou pas? Oh, on nous attend encore. Ah ouais, là-bas. Ouais, je les vois. On va faire ça pareil. Hop là, allez, petite grenade. Parce qu'elles sont pas drôles, hein. Je vais vous avouer que je vais y aller un petit peu comme ça parce qu'elles sont en bourrin. Mais là, il n'y a pas tellement de choix, elles sont assez costauds. Alors, où est-ce qu'elles sont les mémères? Il y en a deux ou trois à se faire. Et je dois avouer que... Ah merde, en plus je suis obligé de recharger. Voilà, une de moins déjà, ça c'est bien. La suivante, elle est où?
Ça y est, j'ai tout le monde? Non. Bah j'ai bien fait d'envoyer les grenades finalement. Parce qu'elles sont assez casse-pieds à faire. Ah bah en plus je suis enfermé. Oui c'est ça, je suis enfermé dans la pièce. Une fois que qu'on commençait, on était foutu. D'accord, alors finalement ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Alors, très bien, tac, hop là, on fait ça. On récupère ou pas ces munes? Oh bah non, j'ai pas besoin, je suis à bloc. Voilà, trousse de secours, histoire de se remettre bien. Par contre, grenade, j'en ai plus. Hein. Et ça, c'est dommage. Ok. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au... Peut-être pas au bout, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On va appuyer là, on va bien voir ce que ça donne. Ok. Qu'est-ce que ça ouvre? Ah, je pense que ça ouvre un passage... voilà, c'est ça, en dessous. Ok. Bah, allons-y prudemment. Ouh. Ah, on n'en avait pas fini, voilà. Voilà, on a fini avec la garde rapprochée de Delga Von Bulo. Normalement, ici, on est tranquille. Alors, la première fois, je m'étais fait surprendre, la première fois que j'ai joué à ce jeu. Et elles font mal. Elles font vraiment très mal quand on n'est pas, quand on le sait pas, quand on les voit pas arriver. C'est assez surprenant. Enfin, surprenant, non, mais je veux dire, on se fait vite avoir, quoi. Bon, ici, rien. Par où on passe? D'accord, bah, sûrement par là, ok. D'accord. Là, rien de spécial. Il semblerait que non. Ouh, voilà l'aérodrome. Très bien. On arrive à la fin. Ouais, c'est ça. Allez, on s'approche tout doucement. Je pense que c'est la fin, donc... Écoutez, voilà, on arrive au bout de cet épisode. En tout cas, j'espère que... Encore une fois, ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas fait. À partager, à liker, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.